Mais là, je te parlais d'une exclusivité PlayStation qui va être une claque et qui va être aussi, je pense, le nouveau rival de Final Fantasy. Tout d'abord, c'est quoi Granblue Fantasy Relink? Ou plutôt, c'est quoi Granblue Fantasy? Granblue Fantasy est une nouvelle IP qui a été lancée au Japon en 2014 sur Android et navigateur PC. Le jeu a connu un succès assez conséquent au point d'avoir des spin-offs tels qu'une série animée qui a aussi été très bien accueillie et un jeu de combat qui s'appelle Granblue Fantasy Versus. Ce succès est peu surprenant quand tu considères que dans la team derrière cette nouvelle licence, il y a deux collaborateurs connus pour leur travail dans l'industrie du jeu vidéo. Je parle notamment de Nobuo Uematsu, compositeur légendaire de Final Fantasy, et de Hideo Minaba, directeur artistique de Final Fantasy 5, 6, 9 et Lost Odyssey. En gros, Granblue Fantasy est une licence avec un sacré pédigré. Alors rien qu'avec ces noms-là attachés à cette licence, tu peux déjà imaginer que ça met Granblue en clash avec Final Fantasy. Les comparaisons vont être inévitables, peut-être injustement, mais inévitables. Mais ce n'est pas la seule raison qui me fait penser que ce sera le rival de FF. Parce que des JRPG hors FF, il y en a des tonnes. Rien que l'année dernière, un des jeux qui a fait le plus de bruit dans le monde, c'est Tales of Arise, à juste titre d'ailleurs. Mais il y a aussi la série Dragon Quest, Star Ocean et Legend of Heroes, pour ne nommer que. Là où Granblue Fantasy Relink va se démarquer, c'est dans le visuel. Ce jeu est un festin pour les yeux, une direction artistique absolument propre à la licence, se rapprochant même quasiment de l'anime, qui avait été d'ailleurs salué par la critique, justement pour son visuel. Et c'est un jeu qui a clairement un peu plus de budget que les autres, série rivale de FF, et qui peut se prétendre à entrer dans le ring pour un combat à quasiment armes égales. Bon, ok, c'est beau, mais le visuel ne fait pas tout, on est d'accord? Donc, ça se joue comment? Écoute, je vais te rassurer si tu n'es pas fan des jeux au gameplay tour par tour, car ce Granblue Fantasy Relink est un action RPG. Oui monsieur, oui madame, de l'action, il y en a, en veux-tu? En voilà. Qui dit RPG dit choix, donc tu choisis ton personnage principal, garçon ou fille, et ensuite tu vas à l'aventure avec ton équipe. Granblue Fantasy Relink est un open world qui d'ailleurs semble s'inspirer un peu de Xenoblade Chronicles. Sur la map, tu rencontreras donc des monstres, des ennemis, et tu les affronteras en temps réel avec des attaques à distance, magie ou armes à feu, ou des attaques rapprochées donc du combat mêlé. Mais attention, les combats ne se résument pas à des affrontements sur la terre ferme. Oh non, loin de là, tu iras te battre aussi dans les airs, et pas n'importe comment. Tu auras des combats sur des airships, des navires flottants carrément, avec des coups de canon qui te tombent sur la tête, des ennemis qui essaieront d'aborder ton airship, et des boss fights qui promettent de bien envoyer du lourd. Et en parlant de boss fight, si comme moi, tu kiffes les dragons, prépare-toi. Granblue Fantasy Relink est un RPG solo, mais il y a aussi un mode multijoueur pour certaines zones ou quêtes. Rien ne t'oblige à jouer en multi évidemment, mais l'option est là si tu le souhaites. C'est du multijoueur connexion en ligne et pas du multi local. Granblue Fantasy est un RPG, donc forcément il y a un gros scénario, des cinématiques, des choix potentiels à faire et évidemment beaucoup de compagnons à découvrir. Et tu sais combien de compagnons ils ont annoncé à ce jour? 12. 12! D'ailleurs, c'est même prévu qu'il y ait d'autres personnages qui s'ajoutent à cette liste. Et là, tu te dis, oula, 12 compagnons en plus d'un perso principal, ça fait beaucoup. Beaucoup trop, peut-être? Ils seront juste là en décoration ou bien ils auront des histoires personnelles? Ah, bonne question. Se basant sur la richesse de la licence établie donc depuis 2014, à travers le jeu mobile, l'anime, le manga, le jeu de combat, il y a de quoi faire pour entrer dans les détails des personnages. Maintenant, va savoir comment le jeu traitera tout ça si, en effet, on aura droit à des tonnes de quêtes personnelles pour ses 12 compagnons, ou est-ce que tout sera connecté dans la trame principale et à travers notre perso.
Ce qui est sûr, c'est qu'on ne sera pas à court d'alliés dans notre aventure. Et c'est là qu'on se pose la question fatidique, fatale, sur Granblue Fantasy et son histoire. Bah, le scénario, ça parle de quoi ? Granblue Fantasy, c'est un mélange de heroic fantasy et de steampunk dans la vibe technologique. Tu joues le rôle de Gran, le beau gosse qui est donc le visage de cette série Granblue Fantasy, et c'est un jeune guerrier qui se trouve mêlé à une histoire politique après avoir découvert une lettre de son père disparu. Mais comme je l'ai précisé plus tôt dans la vidéo, tu peux aussi jouer un personnage féminin comme ton perso principal, et elle s'appelle Jita. Une jeune guerrière, donc, avec la même histoire personnelle de Gran. Le scénario principal, si on se base sur ce qui a déjà été proposé, tourne autour de royaumes, d'empires, de politiques et d'une mystérieuse fille au nom de Lyria qui peut contrôler des êtres primordiaux. La trame principale se lance quand Lyria, prisonnière de l'empire Erste, s'échappe et fait la rencontre de Gran. Sans spoiler quoi que ce soit, le scénario restera sans doute dans la même lignée, mais évidemment pour les besoins de ce nouveau jeu, il y aura sans aucun doute des ajouts et des remaniements. C'est un RPG made in Japan, donc on s'imagine bien qu'il y aura un message philosophique derrière, mais l'arc principal tournera autour de la guerre et de la politique entre les royaumes. Ce qui me ramène un peu à ce que je disais, que ce Granblue Fantasy Relink, un RPG AAA made in Japan, pourrait bien être LE nouveau rival de Final Fantasy, tant il y a pas mal de points communs, mais aussi assez de distance entre les deux pour offrir quelque chose de différent aux joueurs. Et il faut dire aussi que depuis un moment, il y a une vraie demande pour les RPG style animé. Si on peut retenir quelque chose de l'an dernier avec Tales of Arise, c'est qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui ont envie de ce style de jeu crayonné, style animation, parce que c'est différent de ce que peut offrir les RPG occidentaux tels que les Elder Scrolls, les Fallout, les Dragon Age, les Witcher, les Cyberpunk. C'est quelque chose d'unique, une expérience qui peut te faire voyager d'une façon différente dans d'autres mondes et qui peut te faire rêver. Granblue Fantasy Relink est une exclusivité PlayStation et PC via Steam. Cependant, bonne nouvelle pour toi si tu n'as pas encore de PS5. Le jeu sort aussi sur PlayStation 4. Il est donc cross-gen. Mais bon, comme on l'a vu par le passé, les jeux cross-gen peuvent être particulièrement très beaux et très réussis si c'est aussi une exclusivité. Spider-Man Miles Morales est un exemple de ça. Et j'ai encore une bonne nouvelle, ce festin visuel, cette future bombe JRPG sort bien en 2022. Ça a été confirmé et je sais, je te vois venir, oui mais il y a toujours un report. Sauf que là, les reports, ils ont déjà eu lieu. On est maintenant dans la phase après le fameux « oui, on a besoin de plus de temps pour peaufiner le jeu ». Donc 2022 semble être l'année de sortie. Et en plus de ça, le jeu sort simultanément au Japon et en Occident. Et oui, on n'aura pas à attendre pour la version internationale. On devrait en savoir beaucoup plus bientôt et donc avoir une date précise de sortie. Compte sur moi pour t'en parler à coup sûr. Je suis tellement hypé par cette sortie de Granblue Fantasy Relink sur console et dans l'Occident. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un AAA RPG made in Japan. Visuellement, ça a l'air absolument ouf. Le gameplay, il a l'air super fun. Il y a des dragons. Gran, c'est un beau gosse. Et tu as le choix de jouer soit un garçon, soit une fille. Donc, tout le monde sera content. Tu as des compagnons, mais en veux-tu, en voilà. Et je sais, me basant sur le fait que moi, j'ai regardé l'animé, que les compagnons, les personnages sont juste phénoménal. Ils ont une histoire très très riche, des histoires personnelles hyper intéressantes. Mais ce que je kiffe par-dessus tout dans cette sortie, c'est qu'il y a un nouveau rival pour Final Fantasy, pour Tales, pour Star Ocean, pour tous les JRPG. Mais surtout, j'espère qu'il y aura du succès parce que pour moi, la compétition, ça fait du bien et j'ai envie qu'il y ait une compétition entre les licences RPG et que pour nous, en tant que fans de jeux vidéo, en tant que fans de RPG, en tant que fans de JRPG, on se régale parce que les gagnants, les grands gagnants dans tout ça, dans cette compétition, ce sera nous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu, mais le pouce bleu, c'est le cas. Et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et dans les commentaires, dis-moi si tu es hypé par Granblue Fantasy Relink et si tu penses que ça pourrait être le nouveau rival de Final Fantasy. Sinon, si le JRPG t'intéresse, j'ai fait une vidéo sur la série Trails, Legend of Heroes, si tu veux savoir c'est quoi exactement. Elle est très peu connue en Occident, mais elle commence à faire un peu de bruit, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir. Et n'oublie pas, vive les beaux gosses.